Et rebonjour, c'est Kalyan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chanteur, auteur, compositeur, interprète, et aujourd'hui, vous me demandez d'écouter la chanson No de Dimash Kudaibergen. On la regarde ensemble et après on se fait une petite review. C'est parti. Waouh, la classe! Elle est bien habillée. C'est la chanson de Lara Fabian, celle-ci. Hein. Vocalise, on est d'accord. Hein. Ok. Donc c'est une reprise qu'il fait. Ok. Il a posé des paroles sur la chanson de Lara. C'est en russe, je suppose. Pour l'instant, ce sont exactement les mêmes notes que Lara Fabian. Et pour l'instant, je préfère l'interprétation de Lara Fabian. Je sais, vous allez me détester. Woo!
toujours plus. Je suis vachement surpris. Bravo. Ouais, bravo, 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 bien sûr, bravo. Mais bien sûr, on applaudit parce que c'est waouh, c'est une prestation quand même qui reste dingue. Il ne faut juste pas oublier que Dimash reste. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment la personne qui chante le mieux, à mon sens, en tant qu'homme, hein, sur cette planète. Je suis en train de découvrir beaucoup d'artistes en ce moment. Mais ouais, cette chanson, il lui a vraiment donné une autre dimension. Parce que Lara Fabian avait pris cette chanson qui s'appelait Vocalise et elle ne faisait des. Mais tout le long, vous voyez. Et lui a posé les mêmes notes, mais avec des paroles. Et la première partie, je vous dis la vérité, j'étais pas du tout convaincu. Mais par contre. La seconde partie, ouais, il s'est bien envolé. C'est voilà, il a cette manière de gravir les notes, mais d'une facilité. Oh là 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 là, ça a l'air simple, mais ça allait pas du tout. Toi, tu fais ça, tu remets 4 jours à t'en remettre. Ah oui, mais tu te décolles la plèvre, hein. Oui, il y a tout qui vient avec. Hein. C'est ah non, c'est patate, hein. Waouh. Il est toujours surprenant, ce garçon. Il est simple. Et sa voix est très complexe. Sa voix est très complexe. Je ne saurais pas vous dire plus. Je suis vraiment toujours étonné. Toujours avec ce garçon. Et puis cette chanson, c'est une chanson, comme je vous l'ai dit, que j'aime énormément, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté de Lara. Donc je découvre sa version. Et je pense qu'il a voulu être dans le respect dans la première partie de la chanson. Et je trouve ça vraiment chouette. Bravo Dimash. Bravo. Wow. It's fantastic. Je sais pas, est-ce que vous préférez, vous, la version Dimash? Ben, je sais que vous êtes la plupart des fans de Dimash, mais avez-vous déjà écouté la chanson que Lara a initialement composée? Je sais que vous êtes fan de Dimash, vous, donc vous allez peut-être me répondre Dimash. Mais avez-vous déjà écouté la version de Lara? Laquelle préférez-vous, honnêtement? Ça, pour moi, c'est très compliqué de répondre. Hein. Je ne vais pas être dans le comparatif parce qu'ils la chantent différemment tous les deux. Alors, c'est sûr, Dimash fait beaucoup plus de démonstrations vocales. Mais ce qui me surprenait avec la version de Lara Fabian, c'est qu'il n'y avait pas de paroles. Et sans les paroles, elle arrivait à nous transmettre l'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Que Dimash raconte une histoire, donc il est obligé peut-être de faire plus de performances pour nous toucher malgré sa voix qui est juste sublime. Mais waouh, bravo, bravo. Écoutez, j'espère que cette réaction vous a plu. Je vous remercie encore toujours pour votre fidélité. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Take care. Bye bye. See you soon.